Dans le cadre de créer un bouffet d'oxygène, notre structure Africa Plus, en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères représenté par l'ambassade de la République de Guinée auprès du Benelux mais aussi de l'Union européenne, également le ministère chargé des questions d'investissement et du partenariat public-privé représenté par la PIP. À côté, vous avez la Chambre du commerce et également la Chambre du commerce guinéenne, bien sûr, mais la Chambre belgo-luxembourgeoise et les ACP. Nous vous présentons ce 7 juin un grand forum international qui va permettre aux entrepreneurs économiques de créer un cadre bilatéral avec les opérateurs économiques de la Hollande, de Luxembourg, mais aussi de la Belgique, afin de permettre au développement économique de notre cher pays, la Guinée. Nous vous invitons le 7 juin à Bruxelles. Donc nous organisons le premier forum économique entre la Guinée et le Benelux le mardi 7 juin à Bruxelles, à la salle des ACP, au 451 avenue Georges-Henri. Donc à 8h30, l'enregistrement commencera. En fait, l'objectif fondamental est de faire en sorte que les entrepreneurs qui viendront de la Guinée et ceux du Benelux puissent se mettre ensemble en vue de trouver des solutions idoines aux problèmes qui interpellent un peu les investissements en Guinée. Et de faire en sorte que la sortie de ce forum, qu'il y ait des accords de partenariat entre les entrepreneurs de la Guinée et les entrepreneurs du Benelux dans le cadre des B2B que nous organiserons et aussi des J2J. Donc le business to business et government to government. Aujourd'hui, la structure Africa Plus a réussi à avoir un partenariat avec les différentes chambres de commerce en Belgique, notamment la CBL, la chambre belgo-luxembourgeoise, mais aussi l'AWEX, l'agence wallonne d'exportation, le FIT, le Flanders Investment Trade au niveau de la Flandre. Donc en fait, nous avons un accompagnement professionnel et technique de l'ambassade de Guinée à Bruxelles, avec lequel nous avons un partenariat, mais aussi la PIP en Guinée, l'agence de promotion des investissements privés. Ce forum vise 6 secteurs. Après la validation des termes de référence au ministère des Guinéens de l'étranger et des affaires étrangères en République de Guinée, 6 secteurs ont été retenus. 6 secteurs prioritaires qui sont entre autres les mines, l'agro-industrie, le bâtiment, les transports, la santé et la pêche. L'objectif, c'est-à-dire pendant la journée du 7, est de faire en sorte que le staff technique de la PIP puisse répondre aux questions de tous les investisseurs qui ont déjà essayé la Guinée et les expliquer un peu les réformes qui ont été engagées à ce niveau, mais aussi quelles sont les possibilités d'investissement par rapport au secteur visé, c'est-à-dire les expliquer un peu tout ce qui a trait au code minier, mais aussi dans le domaine de la santé, les infrastructures, le bâtiment. Quelles sont les possibilités? Quels sont le climat d'affaires? Est-ce qu'ils ont rencontré des problèmes? Quelles sont les solutions qu'on peut les apporter? Africa Plus s'inscrit dans cette dynamique. Nous venons à Paris tendre la main à la diaspora guinéenne de France, faire en sorte que pour une fois, toute la diaspora guinéenne de l'Europe, que ce soit celle de France, que ce soit celle de Benelux notamment, d'où nous venons, mais aussi celle de Genève et aussi de Londres, puissent se mettre ensemble pour trouver des solutions idoines aux problèmes qui interpellent notre pays. Favoriser le climat des affaires, encourager les investisseurs à aller vers la Guinée, car la Guinée regorge en soutien d'énormes ressources naturelles. Donc nous tenons encore une fois à vraiment faire en sorte que tout le monde participe. Venez massivement à Bruxelles, inscrivez-vous, nous restons à votre disposition. Le président de Africa Plus, M. Bangali Diarra, ne manage aucun effort quant à la réussite de cet événement. Moi-même et au nom de toute l'équipe d'Africa Plus, nous remercions toutes les personnes qui sont intéressées par ce projet et nous restons à leur disposition pour des questions, des suggestions et des propositions. Merci beaucoup.